Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Monaco, au Monte Carlo Beach, la plage privée de Monaco que vous connaissez très bien, qui se situe juste à côté à Roquebrune-Cap-Martin. Aujourd'hui, on est lundi, c'est assez calme au niveau des voitures, mais on a quand même eu de très très belles surprises. Donc, je vais vous faire un petit tour du parking. Allez, c'est parti, on y va. Tchou. Turbo 650 chevaux. J'aime beaucoup la couleur de celui-ci. Vous voyez, gris assez brillant. Je l'avais vu déjà dans un parking, il me semble. Alors celui-ci n'est pas full option, vous avez remarqué, parce qu'en fait il n'y a aucune option carbone. Pas d'option carbone au niveau de la calandre avant, au niveau du pare-choc avant ou bien au niveau du diffuseur avant. Les jantes sont grises mat avec les étriers orange, freins céramiques. Vous voyez la taille des freins céramiques, toujours un petit peu plus gros à l'avant qu'à l'arrière. Petit drapeau italien ici, pas de pare-brise teinté. On a de la chance parce que quasiment toutes les voitures, elles ont les fenêtres légèrement ouvertes, donc on peut bien voir l'intérieur. Donc là, vous avez vu le petit logo Lamborghini ici. Il y a ça quasiment sur chaque Lamborghini Urus. Tête de siège cuir noir, latéraux de siège cuir noir et intérieur de siège Alcantara orange. Très très beau. Sur piqûre orange, volant mi-cuir ici, mi-Alcantara. Vous voyez, très très beau, ça ressort assez bien la lumière. J'aime beaucoup cette configuration entre le gris et le orange en tout cas. Je vais vous montrer l'arrière. Donc vous avez le Lamborghini inscrit ici avec en Principauté de Monaco. La plaque, elle n'est pas droite sur celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est légèrement penchée à gauche. Et ici, vous avez les deux grosses sorties d'échappement de chaque côté. Lamborghini Urus pour commencer. Ensuite ici, on a une petite Fiat 500. Donc... Vieux modèle, Nuova 500, aussi de Principauté de Monaco. La couleur est très très belle. Voilà, donc vous avez le choix entre Titi et Gros Minet. C'est comme vous voulez. En tout cas, très mignonne cette Fiat 500. Alors, je ne serais pas capable de vous dire le nombre de chevaux fiscaux. Mais avec le toit ouvrant, ici, on peut voir à l'intérieur. Vous avez vu, intérieur assez classique, cuir rouge. Bon, là, vous imaginez, je ne sais pas de quelle année la voiture, mais il n'y a pas de climatisation. Donc, on doit avoir vraiment, vraiment chaud. Mais très, 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 très mignonne et couleur très, très sympa, en tout cas. Fermé, dommage, ça fait un bruit un peu sourd. 458 spécial Aperta qui s'en va, 900 exemplaires au monde. Voilà, on va essayer de faire le tour derrière parce qu'il va repasser. Elle est à qui alors celle-ci? Ouah, c'est au petit jeune avec la casquette là-bas, choqué. Et la voilà, la spéciale Aperta. Très très belle couleur, avec bande cyan et blanche, j'aime beaucoup. V8 atmosphérique, très très belle. Il y a plein de Porsche Cayenne et de Porsche Macan, je ne vais pas me concentrer sur ça. À la limite, ce Macan Turbo ici, il est beau noir avec les jantes argentées ici, mais il y a des choses beaucoup plus sympas à voir. Ici par contre, on a une Ford, alors je ne serais pas capable de vous dire l'année, mais elle est très très belle, décapotable. Regardez comme l'intérieur il est magnifique avec le levier de vitesse là comme ceci.
vraiment à l'ancienne. J'aime beaucoup, ça fait penser à l'Amérique un peu des années 30. Je vais faire l'autre côté pour vous montrer le compteur, vous avez vu. Siège cuir noir et blanc. Et je vais vous montrer l'avant de la voiture. Regardez ça. Très très beau. Celle-ci, c'est une Ford Thunderbird. J'aime beaucoup, couleur noire brillant. Ici, vous avez entrée d'air au niveau du moteur. Et je vais vous montrer l'intérieur. Vous avez vu là, vous avez le compteur qui va de 0 à 150. Bon, 150 km/h, je pense que c'était déjà assez conséquent pour l'époque. Et vous avez vu le volant, très très beau. Même le tableau de bord ici, tout ça là, de là-bas à là-bas, c'est du cuir. Très très belle celle-ci. Vous avez le pneu à l'arrière au cas où vous tomberiez en panne. Vous avez vu avec le petit logo ici, on dirait trois lions, je ne sais pas ce que ça représente. Dites-moi si vous vous connaissez mieux en voiture ancienne que moi, je ne sais pas ce que ça représente, les trois lions. Et le pare-choc ici arrière, vous voyez, ah mais vous avez vu les sorties d'échappement, j'ai l'impression qu'elles sont, ou alors elles sont dessous. Non, elles sont dessous les sorties d'échappement. Je pensais que ça c'était une sortie d'échappement, mais en fait pas du tout. Avec écrit le logo Thunderbird et vous avez vu à quel point... les pare-boues ils sont bas, ça descend presque jusqu'au milieu de la roue, légèrement au-dessus du milieu de la roue, avec jantes du coup, les pneus pardon, moitié noir, moitié blanc, et les jantes remplies. Très très belle celle-ci, bienvenue dans l'Amérique des années 30. Ça c'est la voiture de la journée, très belle Ferrari 488 Pista, vert kaki brillant, magnifique. Donc là on est sur du 4 litres 2 V8 biturbo, on l'a vu arriver celle-ci tout à l'heure, elle faisait un bruit magnifique, donc je suis quasiment sûr qu'elle n'a pas les échappements d'origine. Vous avez vu avec le Ferrari ici, le crayon jaune. Elle a les bandes noires, celle-ci j'aime beaucoup. Toute option, puisque vous avez les options carbone au niveau du diffuseur avant et également ici là sur les côtés. Donc vous voyez, peut-être qu'elle a été préparée par TaylorMade, je pense, pas sûr. On va voir. Ici vous avez les écussons ici qui sont en option. L'intérieur de la voiture, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le volant, tout autour du volant c'est en cuir et par contre les sièges ici ils sont en alcantara. Tout ici là, tout l'intérieur c'est du carbone. Elle est vraiment magnifique, mais en tout cas la couleur de cette Pista, très très belle. Ici vous avez l'énorme V8 qui est tout en carbone, enfin la protection du volant est en carbone, même le Ferrari ici a été écrit en vert. Celle-ci, la nuit, elle doit être vraiment 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 magnifique. Ça, carbone, carbone. Ici, ça c'est du carbone, Ferrari vert kaki. Voilà, diffuseur arrière tout en carbone et vu... Le bruit et la taille des échappements, je pense que c'est des échappements Novitec. S5P, donc c'est une Ferrari qui nous vient tout droit de Suède. J'aime beaucoup. Très très belle cette 488 Pista. Je vais essayer de vous faire un plan de trois quarts avant. J'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous filmer les jantes, j'ai du mal parce que j'ai pas la place de me mettre entre le Cayenne d'à côté et la Pista, mais les jantes de la 488 Pista, elles sont de la même couleur que le vert de la voiture. C'est absolument magnifique. Les pneus sont neufs, ça c'est sûr, et les étriers, ils sont orange, ça ressort vraiment très très bien. Écusson Ferrari ici en carbone avec le cheval en fer, frein céramique, et la couleur du coup est la même à l'avant. Étrier orange et jante verte, magnifique. Ensuite ici à côté de la 488 Pista, on a une Bentley Continental, donc ça c'est les phases 1 si je dis pas de bêtises, vous voyez, donc avec le Bentley et qui est autour ici qui est en rouge, ça c'est personnalisable, vous pouvez le personnaliser à volonté. La couleur de la voiture elle est beige brillante, j'aime beaucoup. Ça c'est le V8 parce que vous avez les sorties d'échappement qui sont en forme de 8, sur le W12 ça fait un ovale allongé, sur le V8 c'est en forme de 8 tout simplement. Les jantes elles sont en acier mais pas forgé. Non, et je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la voiture aussi. Intérieur beige, beige et noir sur celle-ci. Et vous avez même des finitions qui sont en bois. Je pense que ça doit être en ébène peut-être. Je vais essayer de vous montrer le trois quarts avant de la voiture. Ah, le fait que la calandre elle soit en noir sur le beige, ça fait bien ressortir. Vous avez vu client monégasque qui est à la fois membre de l'Automobile Club et du Yacht Club de Monaco. Ici, on a une Rolls-Royce Wraith, donc 6 litres 2 V12 biturbo, vous connaissez, avec ici Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy qui n'est pas sorti. Je me décale parce qu'il y a un camion qui arrive. L'intérieur de cette Rolls-Royce est très beau,
intérieur noir et blanc. J'aime beaucoup, tout en cuir. Donc là, vous avez 4 places sur celle-ci. Ah, là, il y a eu un petit carnage sur les jantes, mais c'est pas grave, il a les moyens de la réparer. Et ici, vous avez du coup le Rolls-Royce. Je vous rappelle, que quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, le Rolls-Royce, il restera toujours droit. Vous avez beau rouler à 30 ou à 150 km/h, ça restera toujours pareil. Mais ce que j'adore sur cette voiture, c'est la calandre arrière, la gêne beaucoup. On a un beau line-up là. 488 pistes à verte, Bentley Phase 1 Continental GT V8 Biturbo et Rolls-Royce Wraith 6 litres V12 Biturbo. Ici, on a un Mercedes Brabus. J'aime beaucoup, vous avez vu, avec échappement Brabus ici, avec B écrit de chaque côté, à gauche et à droite. Voilà. L'intérieur de la voiture est très beau. J'aime beaucoup quand on a une couleur un peu discrète ici. Ensuite, quand on a une couleur un peu plus voyante au niveau de l'intérieur, ça ressort vraiment bien. L'intérieur, il ressemble à celui des Mercedes SLS. Pareil, 4 places ici. Vous avez vu avec écrit Brabus également au niveau du siège. Vous avez les petites télés ici. Voilà, si vous vous ennuyez pendant le voyage. Celle-ci, j'aime beaucoup. La voiture, elle est un peu ancienne. Je pense qu'elle doit être du début des années 2010 ou fin des années 2000, mais elle a été extrêmement bien entretenue. Je vous montre le 3 quarts avant de la voiture, pas mal. Ça aussi, j'aime beaucoup Aventador SV Roadster. J'adore la calandre avant de ces voitures. Je préfère largement cette calandre-là que la calandre des Aventador S. Celle-ci, elle est noire brillante avec les jantes ici, avec tous les Y que vous connaissez. Avec ici les écrous rouges, écusson Lamborghini également. Frein céramique, étrier rouge, ça ressort vraiment bien sur cette voiture. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur du volant à droite, donc un client qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne. Intérieur au niveau des sièges, donc tout est en Alcantara et en carbone. Carbone ici, là on a plage avant en cuir et là on a de l'Alcantara. C'est partagé entre Alcantara, cuir et carbone. Derrière les sièges également, c'est du carbone. Donc c'est pas des baquets carbone au niveau des sièges, mais tout le siège est entouré en carbone en fait. Donc vous avez latéraux de siège Alcantara, centraux de siège Alcantara, avec ici le Y à l'envers caractéristique des Aventador SV. Là vous avez toutes les fonctionnalités de la voiture. On a l'énorme V12 atmosphérique 6,5 litres, le gros aileron en carbone ici, caractéristique des Aventador SV. Je vais vous montrer les échappements. 4 énormes sorties d'échappement derrière. Je ne sais pas si c'est d'origine celle-ci, je pense pas. Les échappements d'origine, ils me paraissaient plus ronds et plus vers le bas. Et le diffuseur, pardon, diffuseur ici qui est tout en aluminium. Vous voyez la plaque ici, plaque anglaise, Lamborghini ici inscrit. Et là, je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, on est sur du volant à droite. Et celle-ci, c'est du coup la première de 500 exemplaires en Aventador SV volant à droite. Vous avez vu, donc vous avez Alcantara ici, cuir sur les côtés, Alcantara au niveau des sièges, et vous avez même, vous voyez ce qu'il y a là, ici, ça c'est du carbone. Ici, ça c'est du carbone, là vous avez le compteur. On a beaucoup de chance parce que toutes les voitures ici, elles sont quasiment toutes décapotées, donc je peux vous faire des belles présentations. SV ici au niveau des sièges, et qui sont Lamborghini rouge, j'aime beaucoup. Voilà, le 3 quarts avant de la voiture. Donc en fait, vous aviez les Aventador de première génération phase 1 LP704 que j'adore. Ensuite, vous avez eu les Aventador de première génération Roadster. Vous avez eu les Aventador S LP744. Ensuite, vous avez eu les Aventador S Roadster et les Aventador SV qui sont donc LP754. Donc ici, on est sur du 750 chevaux. Peut-être qu'elle a été modifiée. Elle n'est pas d'origine. Elle a été modifiée, je parle au niveau du moteur ou des échappements, pour avoir encore plus de puissance. Je sais pas, je saurais pas vous dire. En tout cas, je sais qu'on est sur du 750 chevaux V12 atmosphérique de 6,5 litres, c'est énorme. Et vous avez encore une version au-dessus de celle-ci qui est la SVJ Aventador Super Veloce Jota LP764 de 760 chevaux. Voilà. Aventador, profitez. Je vais faire la RS6 pour Gabriel parce que là je suis obligé. Donc ici, Audi RS6 2020 V8 Biturbo, vous connaissez, donc un client de Monaco. Moi je suis pas fan des RS6, je préfère largement les anciens RS6 plutôt que les nouveaux. Je vais essayer de vous montrer, ah bah non, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que là les vitres sont teintées à 100%, on voit absolument rien. Par contre, je peux vous montrer les jantes. Vous avez les jantes en Y, frein céramique qui sont légèrement plus fins à l'arrière qu'à l'avant, étrier rouge, et les pneus, c'est Ventus. Tiens, je connais pas cette marque de pneus.
En tout cas, j'aime beaucoup l'arrière de la voiture. Avec le diffuseur comme ceci là, en forme de levée-descente, très levée-descente. Et vous avez du coup les échappements ici. Donc en fait, vous avez deux sorties d'échappement qui se fusionnent en une. Échappement argent chromé avec écrit le RS6 ici. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Là, vous avez la lame ici, tout en aluminium. L'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, peut-être à peine. Voilà, intérieur cuir, sur piqûre rouge. Ça envoie. Rétroviseur en aluminium, ça c'est intéressant par contre. Et je vais vous faire un plan 3 quarts avant de la voiture. Sympa cette petite RS6 quand même. Sympa. Ensuite ici on a un Porsche Macan. Là on a Porsche Cayenne. Ici on a BMW M2. Mais je ne vous fais pas de présentation parce que je n'aime pas BMW. Bentayga. Couleur bleu marine, ça j'aime beaucoup par contre. Celui-ci c'est un V12 avec l'énorme calandre avant, donc de chez Bentley. Vous avez vu les phares ici, j'aime trop, on dirait des diamants. Vous avez écrit Bentley ici également au niveau des phares, jante argentée, classique. Donc je vous rappelle qu'un Bentayga c'est plus puissant qu'un Lamborghini Urus, alors imaginez. Oula, là il y a eu petit carnage sur la fenêtre, c'est pas grave. Je vais mettre ma main pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc intérieur beige. Et par contre, j'aime beaucoup les nouveaux volants Bentley comme ceci. Moitié bleu marine, moitié blanc. J'aime beaucoup. Donc de mémoire, sur le Bentayga, on a 700 Nm de couple. C'est énorme. Je vais vous montrer l'arrière. Pareil qu'il y a mon égasque avec les deux sorties d'échappement ovale, donc caractéristique du V12. Ici, on a un S63 blanc mat. C'est assez rare de voir des voitures blanc mat en général ou même à Monaco. C'est assez rare. Vous avez vu, regardez toutes les lumières là. Je ne sais pas combien il y en a, au moins une vingtaine. Très beau ce S63 blanc mat, jante grise et tri rouge, bon celui-là il est sale. V8 biturbo, celui-ci c'est un 4 pneumatique ou pas. Attendez, je vais revérifier, mais il me semble pas. Non, c'est pas un 4 pneumatique, c'est simplement un AMG. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Intérieur cuir rouge pour ce S63. Sympa. Sympa, sympa. Je vais vous montrer sortie d'échappement AMG ici avec deux pots de chaque côté. Ça j'aime beaucoup par contre, Mercedes SLS Roadster. Celle-ci elle est blanche avec l'intérieur cuir rouge. Donc ça c'est du coup les anciennes générations qui ont été ensuite remplacées par AMG GT, GTS, GT Cabriolet et AMG GT Racing. En tout cas, celle-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, là, c'est blanc et là, c'est beige. Alors, il y a un autocollant qui a été mis là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est pour maintenir la peinture, qui est une couleur de peinture fraîche, ou alors pour protéger la voiture. Je ne sais pas. Là, il y a eu un petit carnage en bas. Donc là, on est sur du V8 atmosphérique 6 litres 3. Donc ça, on voit celle-ci, elle est un petit peu sale. C'est pas grave, il a dû faire du tout-terrain, mais je vous la présente quand même parce que j'aime beaucoup. On est là pour faire partager la passion des voitures. Et jante grise, frein céramique, étrier rouge, ça ressort assez bien. En tout cas, la ligne de la voiture avec ce capot qui est très long comme ça, j'aime beaucoup. Et vous avez vu, à l'intérieur, vous avez écrit AMG. Et là, je vais vous montrer intérieur du coup des SLS. Intérieur assez simple, mais très bel intérieur. J'aime beaucoup. Après la SLS Roadster, ça c'est la SLS normale. C'est pas une Black Series, c'est une SLS normale, pardon, mais elle est très très belle. Donc pareil, 6 litres 3, V8 atmosphérique. J'aime beaucoup cette voiture, il y en a de moins en moins. Je sais pas si c'est parce que la voiture perd de la cote ou pas. Celle-ci, elle a intérieur cuir rouge. Il y a beaucoup de SLS qui ont intérieur cuir rouge parce qu'il me semble quand vous l'achetez, c'est rouge cuir d'origine. Avec le petit aileron ici écrit SLS. Ça, c'est un client qui nous vient d'Ukraine. J'avais pas reconnu la plaque. Vous voyez les deux sorties d'échappement ici de chaque côté. Logo AMG avec les vitres teintées. Franchement, ça fait toute la différence. Hein. Ici, vous avez du coup énorme réservoir d'essence pour y mettre un bon sans plomb 98. Et celle-ci, les jantes par contre sont beaucoup plus propres, gris argenté, frein céramique. Les freins, ça date pas d'hier parce qu'il y a un petit peu de rouille là ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Jante un peu abîmée, mais après, bon, la voiture, elle est un petit peu ancienne. 2010, si je ne dis pas de bêtises. Étrier gris. Là, ici, c'est les ouvertures de porte. En fait, quand vous appuyez sur le cadenas ouvert avec la clé, ça... Ça va vers l'avant et vous n'avez plus qu'à tirer. Ça ouvre la porte en forme d'aile de papillon. Pareil, ici, jante grise argentée. Et ici, vous avez les deux grosses aérations avec le 6 litres 3. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires.
SLS Roadster ou SLS normal. Moi, c'est SLS normal 100 fois. Là, ici, on a une très belle Bentley Flying Spur couleur chocolat W12. J'aime beaucoup. Bon, alors là, on bouge du Monte Carlo Beach. On va essayer d'aller plus vers l'hôtel de Paris, rond-point du casino, voir ce qu'on peut trouver. Allez, tchuss. Donc là, on a une Ferrari Portofino V8 biturbo compressé, Ferrari F8 Tributo. Là-bas, on a une 488 Spider et là-bas, on a une 812 Superfast. Je les avais déjà toutes vues dans la concession parce que c'est pas la première fois que je viens à l'intérieur de l'écurie Ferrari. Là, on a une très belle F12 TDF 488 Pista et celle-ci, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Peut-être une 488 GTB, mais de course. Et ici, on a une Ferrari F8 Tributo Spider. Donc là, on est sur du V8 turbo compressé, donc c'est-à-dire que c'est la F8 Tributo, sauf que c'est la version Spider. Vous voyez, F8 Spider écrit juste ici, siège carbone, avec arrière des sièges carbone et avant des sièges tout en Alcantara, option carbone. Ici, celle-ci, elle n'est pas full option, il n'y a qu'une partie qui est en carbone. Ça, c'est du carbone, Ferrari ici, carbone, carbone. 358 GTB qui passe. Voiture ancienne, j'aime beaucoup. Regardez l'arrière de celle-ci. Bon, donc elle est incinérée sur la 488 GTB. Voilà. Diffuseur tout en carbone. En tout cas, la ligne est très belle. Et vous avez vu, vous avez le volant ici, donc volant en cuir avec les options carbone, allumage des LED, le trait ici rouge. Et là, vous avez du coup l'aérodynamique ici, donc en fait. Je vais juste poser ça au niveau de l'aérodynamique, donc lorsque la voiture va avancer, vous avez l'air en fait qui va rentrer ici. Comme ceci, ça va ressortir par là et ça va permettre du coup de plaquer la voiture au sol. Très très belle cette F8 Tributo, j'aime beaucoup. Vous avez vu les jantes, elles sont argent chromé, énorme frein céramique étrié noir à l'avant. En tout cas, elle est magnifique. Ah, allez, on continue. Bon, on vient d'arriver devant le Meridian Beach Plaza et regardez ce qu'il y a, Rolls-Royce Wraith. J'aime beaucoup. Regardez ces jantes. Je connais pas ces jantes chez Rolls. Très belles. J'adore les différences de couleurs comme ceci. J'aime beaucoup quand il y a deux couleurs chez Rolls. Et vous avez vu, intérieur avec arrière au niveau des sièges. Intérieur beige. Je vais passer de l'autre côté. Vous verrez mieux. Ici, on a un Range Rover Sport volant à droite qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne. Port de Saint-Tropez, attestation provisoire de circulation. Vous avez vu l'intérieur, cette Rolls Wraith. Le modèle préféré, très très belle, regardez ça. Et ici on a une Bentley Continental GTC V8, très belle avec les jantes bien chromées, avec en rouge le Bentley, intérieur noir, très très sympa avec le petit sac Louis Vuitton juste ici, compteur qui monte jusqu'à 340 km/h. Et celle-ci, c'est une plaque belge aussi, donc à mon avis, la Bentley et la Wraith, ils sont ensemble. Regardez, je vous montre un petit peu la ligne. Alors, on vient d'arriver devant le Fairmont et là, on tombe sur cette Huracan V10 atmosphérique. Donc ça, c'est les Huracan donc, de deuxième génération, donc les Huracan Phase 2. Celle-ci, elle est noire, très belle. Là, il y a un Jaguar F-Pace SVR qui s'en va. Celle-ci, bon, elle est sale la voiture, mais en tout cas la couleur est vraiment très sympa. Les jantes sont noires brillantes, frein céramique étrier jaune, ça ressort assez bien. Je suis monté dans une Huracan, du coup j'étais hier dans une de mes anciennes vidéos que vous pourrez voir. Et franchement, c'était très très sympa. Intérieur, attendez, je vais mettre la main. Intérieur cuir noir sur piqûre jaune, volant cuir noir, très très belle. Donc là, on est sur du 5 litres de V10 atmosphérique. Ce que j'aime beaucoup sur la Huracan, c'est l'arrière, comme ceci, vous voyez, avec les pots chromés de chaque côté, là. Lamborghini Milano, client d'Italie. Très très sympa cette Huracan. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Mercedes, Volvo. Par contre, on va aller là-bas, il y a des trucs sympas, vous allez voir. Audi R8, deuxième génération. Très très belle celle-ci.
avec tout l'aileron en carbone. Donc ça, c'est le V10 du coup. Très très belle. Option carbone ici et intérieur central de siège Alcantara et latéraux de siège cuir. Carbone, V10 ici, rétroviseur en carbone, pardon. Et trois quarts avant de la voiture, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est noire brillante, ça ressort bien. Ici, on a un Range Rover. Et là, par contre, on a une Lamborghini Huracan Performante qui nous vient tout droit de Suisse, du canton de Neuchâtel. Ça, j'aime beaucoup, par contre. Au moins, celle-ci, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus propre que la Huracan normale de tout à l'heure. Donc, vous voyez l'aileron ici en carbone forgé. Et là, là, par contre, on voit le moteur, donc V10 atmosphérique. Ça, c'est en couleur, c'est sympa, c'est une option, c'est Lamborghini, vous pouvez choisir. Et vous avez vu, donc, plaque suisse NE, c'est pour le canton de Neuchâtel. Vous avez le petit drapeau suisse ici. Et vous avez vu les deux énormes sorties d'échappement. Donc là, on est sur du V10 atmosphérique. Huracan Performante, j'aime beaucoup. Avant, je n'aimais pas les Huracan, mais depuis que je suis monté hier dans la Huracan d'un ami, j'aime beaucoup maintenant. Les jantes sont très belles, noires, mat avec les écrous noirs. Ici, petit logo Lamborghini, étrier vert, ça ressort très très bien. Avec le petit drapeau italien ici, caractéristique des Performante. L'intérieur de la voiture, je vais vous le montrer. On est sur un intérieur Alcantara avec très vert, carbone forgé à l'intérieur. J'aime beaucoup celle-ci. Bentley Continental GT Cabriolet V8, aussi de Suisse. Il y a beaucoup de Suisses en ce moment à Monaco, dis donc. Très belle couleur sur cette Bentley, avec un bleu ciel, ça ressort très très bien. V8S et l'intérieur de la voiture marron comme ceci, tout en cuir noir, j'adore. Je vais vous montrer l'autre côté. Vous voyez encore une fois le contraste entre la couleur de la voiture et l'intérieur. Celle-ci, c'est une 4 places. Sion ici et cet intérieur, presque un intérieur tabac. Avec le volant comme ceci, là, ça ressort magnifiquement bien. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'avant. Bentley en rouge ici. Calandre en noir, bien sûr. Je trouve que ça fait beaucoup ressortir l'avant. Très, très sympa cette Bentley. Ah, alors désormais, nous voilà à la place du casino. Vous avez vu ce qu'il y a derrière moi. Je vais aller vous présenter les voitures. Bon, c'est une très belle journée aujourd'hui, franchement, on n'était pas très optimiste avec mon pote, mais pour l'instant, c'est une assez belle journée. Donc, je vais vous présenter ce qu'il y a, place du casino. Allez, tchou. Alors ici, on a deux très belles McLaren 720S. On a une 720S normale ici, et là, on a une 720S Mansory, Rolls-Royce Down là-bas qui s'en va. 720S Mansory, je l'avais déjà vu dans des vidéos en photo, mais je l'avais jamais vu pour de vrai. Honnêtement, moi, je n'aime pas trop Mansory, je trouve ça trop agressif. Alors en gros, c'est la 720S, sauf qu'il y a des options carbone de partout. Jante Mansory ici. Là-bas, il y a une Aventador S qui arrive. Mansory, la couleur est très belle, couleur orange comme ceci. Vous voyez avec écrit au niveau des jantes, Mansory, les jantes ne sont pas en carbone, mais là, toutes les ailes latérales, elles sont en carbone. Énorme aileron en carbone ici. Je pense qu'il doit y avoir une bonne trentaine de centimètres au niveau de l'aileron. Donc 720S, on est sur V8 Biturbo, 720 chevaux. Là-bas, il y a une très belle Aventador. Le bruit n'est pas d'origine, donc on ira voir ça après. Et vous avez les quatre sorties d'échappement ici et diffuseur arrière tout en carbone. C'est trop agressif selon moi, mais je vous la présente quand même. Et là, on a 720S normal. La couleur est très belle, fluo. Donc voilà, pareil, V8 biturbo compressé avec petit McLaren fluo également au niveau des jantes. Jantes noir mat avec des freins céramiques, étrier fluo également. Les vitres sont teintées à 100% dans chacune des voitures, donc je peux absolument pas vous montrer l'intérieur. Rétroviseur carbone ici en option, aération carbone avec le petit logo McLaren. Très très sympa ce petit combo, regardez ça. Il y a la 720S Mansory qui s'en va. Canevo Spider, j'aime beaucoup la couleur en tout cas.
très très belle. V10 atmosphérique. Je sais pas, mais où est-ce qu'il l'emmène? Il la prépare pour le client? Je sais pas trop ce qu'il fait. Donc celle-ci, c'est les Huracan de 3ème génération en version Spider. Ah oui, non, c'est au monsieur avec, elle est au monsieur avec le t-shirt noir, je crois. Ouais, ouais, si, si, c'est à lui. Ils devaient être ensemble. La McLaren orange et lui, ouais, ouais. Ah, le voiturier qui est en train de se faire engueuler parce qu'on a frotté sa voiture. Parce qu'on a frotté la voiture, pardon. Mais je sais pas s'il va partir, le client. Ah non, en fait, il l'a juste mise devant, comme ça, bon, tant pour moi. Là, il y a un Range Rover qui part. Mais la couleur de cette Huracan Evo, en tout cas, j'aime beaucoup. Où est-ce qu'il va partir? Peut-être? Non, pas tout de suite, il va la laisser là pour l'instant. Ici, on a une Rolls-Royce Down, vous connaissez, je vais pas m'attarder dessus. Par contre, là, on a une très belle Aventador S Roadster. Celle-ci, elle l'a démarrée tout à l'heure, elle fait un bruit. Vu le bruit qu'elle fait, je pense qu'elle doit avoir des échappements. Pas au moins Novitec, mais moi, je pense que c'est du Capristo. C'est une Aventador, donc, qui nous vient au AMG GT63S qui passe. Intérieur jaune, noir, très belle. Mais Aventador S Roadster, très belle. La couleur, ici c'est un mélange entre un blanc et un beige mat, c'est magnifique. Ici vous avez les jantes donc, acier forgé avec les écussons Lamborghini noir, freins céramique. Donc je vous rappelle, les Aventador S Roadster, on est sur la génération LP744, dont 740 chevaux. Et trier noir, vous avez le Aventador S écrit ici. Ouverture de porte en aile de papillon. Ici vous avez les deux énormes prises d'air qui vont alimenter l'énorme V12 6.5 atmosphérique. Alors là, vous voyez, on voit les arceaux et on voit pas écrit le Lamborghini. Sur les Aventador, alors là, on le voit pas, mais vous avez écrit l'ordre d'allumage des pistons. Et ça, ça aide beaucoup les mécanos le jour où la voiture va à la révision. Voilà, donc vous voyez Lamborghini Leicester, donc au même endroit que le football club. Et là, vous avez les pots. Alors c'est encore chaud, moi je sens encore la chaleur, vous vous ressentez pas à travers la vidéo, mais on sent encore la chaleur à travers les pots parce qu'elle vient d'être garée là à l'instant. Les pots ici en forme de pentagone, donc un pot en haut, deux pots sur les côtés, caractéristique de l'Aventador S. Je suis un grand fan des Aventador, celle-ci j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Donc intérieur, il est en Alcantara sur piqûre blanche et il y a les options carbone également au niveau de la tablette. Je vais vous montrer un profil de trois quarts avant. Regardez-moi la ligne de cette Aventador S Roadster, les gens. Vous validez ou pas? J'aime beaucoup. Ce que j'aime pas sur les Aventador S, c'est le trait là, ici, comme ceci. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère les Aventador de première génération LP704 plutôt que les LP744, les Aventador S, parce que je trouve que ce trait, avant là, ça vient gâcher toute la calandre avant. Mais après, bon, ça reste une très belle voiture. On n'aime pas et c'est compensé par le bruit de la voiture. Peut-être que j'aurai le temps de vous filmer un start-up tout à l'heure. Je pense pas, comme étant donné que la voiture vient d'arriver. Volant à droite, donc voiture encore plus rare. Vous avez vu ça, c'est un client de l'hôtel de Paris, voiture numéro 38. Très très belle. Aventador S Roadster. Échappement Capristo, je vous laisse profiter. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai croisé cette Aston Martin DBS modifiée par pur hasard. Voilà, je termine le vlog un autre jour. Donc là, on n'est plus du tout à Monaco. On est à Saint-Cyr-sur-Mer, pour ceux qui connaissent, dans le Var. Voilà, voilà, je vous fais quelques plans de cette Aston Martin DBS juste après, en conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube French Riviera Supercar pour suivre toutes les nouvelles exclusivités et l'actualité que je mettrai sur ma chaîne. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.